YouTube, je viens de me lever avec un chat qui fait miaou sans cesse, je ne sais pas pourquoi. Un petit peu stressant. Es-tu correct, Kiki? Il est tard, 10h30, j'ai dormi tard. Je faisais des rêves de fou que je vous raconterai pas, parce que who cares about les rêves des autres? Je chantais ma faire un muffin anglais avec un œuf cuit au micro-ondes et un petit peu de fromage, ça va être sur mon déjeuner. Je vais juste mettre l'œuf battu dans un petit bol, puis je mets ça environ 50 secondes, je dirais. Je le sors toujours avant que ce soit fini. Puis, ouais, j'ai mesuré mon fromage, puis je vais couper des petites tranches, je vais mettre ça là-dedans. Sel, poivre. Et voilà, mon McMuffin. Je veux pas de beurre ni de mayo, là, c'est assez avec le fromage. Ça va avoir l'air con de mesurer du fromage, mais si je mesure pas, j'en mettrai 4 fois cette quantité. Tout le reste de mon cool lime, c'est ça ici. Fait que c'est de la poudre. Il y a de la caféine là-dedans, fait que c'est bon le matin. Mais j'en mets juste la moitié parce que c'est vraiment sucré sinon. Là. Fait que je l'ai mis avec de l'eau. Puis là, j'ai rajouté de la glace. Tout est meilleur avec de la glace de garage. Je sais pas ce qui se passe avec moi aujourd'hui. Je suis quand même pas capable de démarrer ma journée. On dirait il est déjà midi moins 20. J'ai rien fait à part me laver, puis m'habiller, puis me maquiller, puis répondre à des courriels. J'ai rien fait. Ben, je me suis levée tard. Mais j'aime pas ça quand je me sens pas productive. Puis là, je vais au gym à 2h. Fait que j'ai l'impression de pas avoir beaucoup de temps pour travailler. Fait que là, je vais aller filmer des vidéos que je veux faire d'avance. Parce que je vais prendre une petite semaine de congé au mois d'août. Mais je vais quand même mettre des vidéos. Fait qu'il faut que je les filme d'avance. Hein. Fait que ouais, j'allais faire ça. Puis ce soir, je vais à un événement. C'est l'ouverture. Mais je pense que c'est déjà ouvert. Mais c'est l'espèce de soirée d'ouverture officielle. Du magasin Saks Fifth Avenue / Winners Mode machin. Fait que je vais y aller avec Laurence, que vous avez peut-être vu dans la vidéo quand je suis allée à la croisière sur le fleuve. Fait que c'est ça. Voilà, c'est mon plan pour la journée. Puis Kiki, t'avais de sacrer mes affaires de gym par terre. Étonnante. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Ah, pas bien, hein? Oh, j'ai fini de tourner, c'est un petit moment, j'étais en train de faire du montage, puis là, je viens de réaliser, faut que j'aille au gym, j'ai un meeting. J'ai un entraînement à 2h, j'ai allumé la clim pour qu'il fasse frais quand je vais revenir, là, j'ai mon Uber qui s'en vient. Fait que j'amène la caméra avec moi, mais je sais pas si je vais bien filmer, en fait. À plus tard! Le party est pogné, c'est clair. Je suis arrivée au gym, je voulais vous montrer rapidement, j'étais allée chez Sully avant de venir au gym, puis j'étais allée chercher un colis que j'avais reçu, puis c'est trop cute! C'est de la vie en rose. Puis c'est des petites pantoufles avec des chats. Oh, j'ai le goût de les mettre après puis de marcher avec dans la rue. Merci la vie en rose. Hii! Donc, je vais monter pour mon entraînement avec Valérie. Puis je vais pas filmer l'entraînement parce qu'il y a plein de monde dans le gym. On va se garder une petite gêne. Puis après, je retourne chez nous. C'est aussi simple que ça. Il est 4h59, je suis revenue du gym sans prendre ma douche. Puis là, il faut vraiment que j'aille prendre ma douche parce que Laurence vient me chercher dans une demi-heure, 45 minutes pour aller aux Galeries d'Anjou pour notre événement Saks Winners. Puis je voulais vraiment mettre en ligne ma nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur les 25 choses que vous devriez jeter. En faisant le ménage, souvent, là, en faisant la méthode KonMari, j'ai vraiment gardé en tête toutes les choses là, que j'ai jetées en me disant « Je comprends pas pourquoi j'ai gardé ça aussi longtemps. » Fait que c'est ça que j'ai essayé de faire dans la vidéo. Fait que elle était en ligne hier. Je vais mettre un lien peut-être à la fin de cette vidéo-là ou quelque part, vous irez voir ça. Fait que c'est ça. Là, je trouve ça peut-être un peu, j'ai comme manqué mes uploads ces temps-ci. J'aime ça mettre ça à 4 heures. Mais là, c'était avant 5 heures au moins. On va dire que maintenant, j'upload entre 4 et 5. Comme ça, je vais me sentir moins mal si j'étais un petit peu en retard. Mais écoutons. Fait que je saute dans la douche. Et ça disait tenue cocktail pour l'événement, mais j'ai pas vraiment ça, moi, des robes cocktail. J'ai mis ma robe et ça, ce que j'ai mis plusieurs fois cet été. Mais c'est ça, moi, j'investis pas dans plein de vêtements. Je trouve que ça vaut pas la peine. Après, je me coiffe un peu. Hein. Je me suis fait un maquillage juste glowy, parce que vu qu'il fait chaud, c'est pas une journée pour mettre du fond de teint. Je sais même pas si je vais mettre du rouge à lèvres. Mais en fait, on s'en va en dedans, fait que ça devrait être correct. En fait, je voulais aussi vous montrer le make-up que j'ai utilisé. C'est mes produits Milk que j'ai acheté au Sephora USA. Je peux vous faire une vidéo, j'ai juste pas eu le temps. Ça, c'est le highlighter que j'ai mis. Puis j'ai acheté aussi le blur stick, puis plein d'autres affaires. En tout cas, je vais vous montrer ça bientôt. On est arrivé dans les terres du milieu, à Ville d'Anjou, au Galerie d'Anjou. On s'est rendu. Merci, GPS. Je suis avec Laurence. Allô. Allô. Ça fait longtemps, on s'est pas vu depuis la croisière. Puis avec Tash, ça va. Salut. Et Sophie qui arrive là. Allô, Sophie. Donc, c'est comme l'espèce de soirée d'ouverture pour le Saks Fifth Off. C'est comme l'espèce de boutique, comme un Winners, mais Saks Fifth Avenue. Je suis jamais allée. C'est juste à côté du Winners Mode.
Bon, je vais faire un petit tour ici. Ici pour faire des boomerangs, là. Allô, les filles! On se promène un peu. Je me promène dans le Saks Fifth. Puis, il y a vraiment beaucoup de choix, là, mais... En vrai, j'ai pas le goût d'acheter du linge, fait que j'ai peut-être plus regarder les accessoires. Mais je vais vous montrer de quoi ça a l'air autour. Vous voyez, c'est très grand, là. C'est comme un grand magasin rayon, là, avec plein de choses. Des robes de soirée, des vêtements relax, des choses. Plein de souliers. Allô! Fait que j'ai eu des cartes cadeaux, fait que je vais me trouver des choses à acheter. Jeff a trouvé un sac. Ah, il est quand même beau. Ouais. Ben, tu sais, pour une journée... À la place. Bye! Il y en a une qui rit de moi, là! J'avais hâte de voir qu'est-ce que tu allais pointer dans tout ce qui était là. Pour ranger tes pépites, ça serait parfait. Toutes ces pépites. J'ai passé aux Winners. Puis c'est vraiment cool d'avoir les petites cartes cadeaux pour dépenser live pour essayer le magasin. J'avais pas trouvé de linge au Saks parce qu'en fait, il n'y avait pas ma taille. Il n'y a pas vraiment de taille plus, malheureusement. Mais il y a beaucoup de choix dans la maroquinerie. Fait que ça, j'ai aimé ça. Puis j'ai acheté quelque chose, je vais vous montrer tantôt. Puis c'est ça. Là, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a dans la déco. Peut-être trouver des serviettes. Puis si je trouve pas de serviettes, pour vrai, je vais dépenser toute ma carte cadeau en lingette pour le visage. J'aime vraiment ça, ces petits rangements-là. Surtout lui ici, là. Tempting. Bon, vous le voyez vraiment pas bien, je suis vraiment nulle. Fait qu'il est arrivé quelque chose pendant la soirée. Il y avait un concours avec les gens qui mettaient des photos sur Instagram. Puis j'ai gagné. J'ai gagné une autre carte cadeau de 300$. Fait que c'est beaucoup de choses. Fait que je vais vous faire tirer la carte cadeau du Winners de 50$. Je vais vous expliquer plus tard ça va être quoi le concours, mais je vais vous faire tirer la carte. Boubou's with bags. J'ai mis mon trépied dans le pot à tomates. Je sais pas si ça va tenir. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Je voulais montrer un petit peu en passant, là, mais... J'ai acheté ça chez Saks Fifth Avenue. C'est donc bien long leur nom. Saks Fifth Avenue of Fifth. C'est comme le Winners. Puis c'est un sac comme ça. En fait, c'est comme un sac, on appelle ça un sac porte-monnaie, un wallet bag. De l'espèce de Marc Bridge de Karl Lagerfeld. Je pense qu'on peut trouver ces trucs-là au Labé aussi. Puis il était... Prérulier 138, puis là, il était 89. Puis j'avais reçu une carte cadeau pour l'événement, fait que je l'ai utilisé. Fait qu'il faut le beau, il y a comme des petits chevrons. Puis c'est marqué la marque ici, là. L'intérieur, je l'aime moins, par exemple. C'est comme un espèce de tissu de style chamoiré. Puis, mais je trouve pratique, tu sais, des fois... Excusez, je suis comme coupée, là. Mais c'est pas grave. Je trouve pratique parce qu'il est petit, tu sais, pour juste aller faire les courses, là. Et rester casual chic. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai gagné le concours qu'il y avait à l'événement, fait que j'ai eu encore des cartes cadeaux. Donc, je vais faire tirer la carte cadeau de Winners que j'avais eue. Mais je ne ferai pas ça ici, je vais faire ça sur ma page Facebook, qui est tellement swell, le lien est en bas. Vous pouvez aller sur la page Facebook, puis dans la fin de semaine, en fin de semaine, je vais publier le concours. Donc, ne manquez pas ça. Allez vous abonner à ma page Facebook pour participer. J'ai aussi acheté de chez David Stees la potion magique. Fait que c'est le thé qui change de couleur quand on rajoute du citron. Là. Je l'ai même pas senti. Oh, il est full beau! Hein, c'est comme... Hein, qu'est-ce que ça sent? Ça me rappelle comme... Des choses que je buvais quand j'étais jeune, on dirait. Je sais pas si vous pouvez voir. Il est comme bleu. Fait que dans le fond, ça... avec la réaction à l'acide citrique, ça change de couleur. Puis il donnait la petite canne avec. Fait que voilà. Ça, c'est les quatre cadeaux que j'ai gagnés. Je suis bien trop chanceuse. Là. C'est fou. Puis mon astrologue m'avait prédit une rentrée d'argent. Ma cousine, c'est parti une page d'astrologie sur Facebook. Vous irez voir ça, je vais mettre le lien en bas. Ça s'appelle Astrolive ou Astrolive. Ben, son nom, c'est Olive. Je vous avais dit que ça tomberait. Je vais tenir comme ça. C'est ça, ça s'appelle Astrolive. Je sais pas comment le dire, il faudrait que je demande. Puis, t'envoies ta date de naissance, l'heure de ta naissance, puis une question spécifique. Puis, dans les jours qui suivent, elle répond avec la réponse à ta question. Puis, elle m'avait dit que j'aurais une rentrée d'argent. Puis là, j'ai eu les cartes cadeaux. Fait que Astrology is real, guys.
Illuminati confirmed. Là, j'ai faim, il est 9h, là, puis je me mange l'intérieur de l'estomac. Fait que je me suis commandé des sushis, j'ai plus rien dans l'épicerie, faut que j'aille faire l'épicerie demain. Puis j'avais assez de pain 3 points pour des sushis ce soir. Je me suis commandé des nigiri, des petits trucs avec du riz, puis un rouleau, puis un cornet. J'ai pris saumon, puis crevettes, mais je vais vous montrer tantôt. Puis après, je vais finir le vlog. C'est la chicane à Big Brother! Oh là là! Je voulais absolument vous montrer mon super look. La fille qui vient de faire son chignon. À chaque fois, c'est une surprise différente. Fait que, on va se dire, ben, je vais me ranger un peu parce que je sens que j'ai traumatisé les enfants dans les chaumières qui regardent les vidéos derrière vous, là. Fait que c'est ça, ça va être tout pour ce soir. Il fait chaud chez nous, faudrait que je rallume la clim. On dirait, j'abuse la clim, mais j'ai tout le temps trop chaud. Et il est 11h10 et je vais pas me coucher trop tard, donc je vais aller, je pense que j'allais prendre une douche froide, tiens. J'ai un peu mal à la tête, je pense que j'ai pas bu assez d'eau aujourd'hui, là, je checkais mon MyFitnessPal puis j'ai juste bu 6 tasses d'eau. Je devrais boire le double de ça au moins. Puis c'est ça. Fait qu'on va se dire à demain. J'espère que vous avez passé une super belle journée. Puis c'est ça. C'est tout. Bye YouTube, c'était le fun.